Salut à tous, donc on s'était arrêté pendant un dialogue, oui j'ai. Ça faisait pile 20 minutes la vidéo donc j'ai dû couper assez rapidement. Donc on retrouve le groupe de Seven qui revient de la grotte de Horn. Voilà. Voilà, et là il nous apprend que notre mère, enfin la mère de Risa, doit être au château de Crinou. Alors le château de Crinou, je sais pas si vous vous rappelez, c'est le château de là d'où vient Sion. Là où on fait les combats là, dans l'arène. Donc ne pas oublier d'acheter surtout. Alors on va acheter déjà une arme plus puissante pour comment? Machin. Oh putain. Alors, Barnise, ouais, plus le bouclier. Alors, pas la peine d'acheter ça, puisque ça sert à rien. Elle, on s'en fout un peu de son arme. L'armure, c'est pas la peine non plus. Par contre, à acheter deux casques impérativement. Et ouais, ça devrait suffire. Voilà, puisque en fait, on n'avait pas de casque. Voilà, vous voyez, c'est assez. Plus 4 en esprit, défense magique plus 2, etc. Puis attribut vent, donc voilà, ça protège contre le vent. Ça, c'est pas la peine. Lui, on va lui mettre, voilà. Vous voyez la différence d'attaque, quoi. Plus 10 d'attaque par rapport à avant. Bon, ça fait plus l'attaque plus que sur une seule personne. Mais comme ça, on peut mettre un bouclier. Ce qui est assez utile. Et un casque, voilà. Donc voilà, on est paré. Attendez, je regarde ma vie. Ouais, c'est bon, on est à fond. On doit donc se rendre au château de Crignou. Mais pour faire ça, on est obligé de passer par la forêt. Et puisque les bateaux ne vont pas là-bas. Vu que c'est pas au bord de l'eau de toute façon. Ah merde, j'aurais peut-être pas dû faire ça. J'aurais dû changer son arme après en fait. Vous voyez la différence d'attaque par rapport à avant. Mettre un petit peu plus fort. Voilà. Et donc on va traverser la forêt, qu'on avait déjà traversée avec Salon d'ailleurs. Ces espèces de fleurs là, on peut les passer. Voilà, comme ça. En fait, je vais les combattre parce qu'elle donne un objet assez utile. Et surtout, ne pas oublier le coffre qui se trouve ici. Voilà. Donc ça, c'est des coffres qu'on ne peut ouvrir qu'avec les jades. Donc il y a trois couleurs différentes de coffres. Et avec les trois jades, en fait. Des trois persos, des trois scénarios. Donc elle, par exemple, elle peut ouvrir que le coffre vert. Et on va lui mettre l'EFTA qu'on vient de récupérer. Donc, vous voyez la différence, ça nous fait plus 17 en. Non, attendez. Ouais. Si, ouais. Plus 17 en défense magique. Défense magique qui va être vraiment très utile pour le combat de boss qui va bientôt arriver là. Ah, et il faut aussi vous rappeler que qu'avec Salon, quand on avait traversé la forêt en bateau, par le lac là, on a vu sur le pont Lolo, donc on a récupéré là il n'y a pas longtemps, et un espèce de reptile ensemble. Donc je sais pas si vous vous rappelez pas, regardez la vidéo, je sais plus à combien de temps c'est. En tout cas, c'est moins de 10, ouais, c'est par là, 2, 8, 9, un truc comme ça, enfin bon. C'est quand j'étais passé par là pour aller à la grotte de Horn, en fait. Là, on va utiliser, voilà.
Et c'est parti. Donc oui, c'est un combat de boss. Pas deviné, hein, quand même. Donc là, vous voyez justement le reptile qu'on a vu avec Lolo, qui est enfermé, qui est en train de se faire bouffer. Et on va la déranger en train de dîner, là. Donc la tactique, c'est d'abord frapper lui, pour qu'elle le lâche. Et ensuite s'acharner sur la plante. Voilà. Elle fait assez, assez de dégâts quand même. Hein. Surtout que j'ai jamais fait de level up donc. Alors on va utiliser un petit Magatama. Voilà. Parce que j'ai testé toutes les magies. Hein. Et voilà. Donc le combat n'est pas fini. Hein. C'est un peu lui qui est en train de la bouffer, mais c'est pas grave. Donc. Et là on va utiliser une magie qui a été très utile, donc je sais plus qui me l'avait donné. Enfin, me l'avait proposé. Ça veut dire jeter mon chinois, ça je me rappelle. Donc on va lui montrer tout notre amour là. Ça va chier. Je vais augmenter le son d'ailleurs, je vais arrêter de parler. Donc oui, cette attaque qu'elle vient de faire est extrêmement chiante parce que si elle nous touche, on ne peut plus lancer de magie. Donc on est dans la merde. Allez, je vais le faire la bourrin là. Voilà. Laissez un peu le son. Voilà. Ses griffes, c'est à dire que le mec en fait il enlève ses griffes. Alors ouais, enfin griffes c'est énorme en fait. Okay. Donc ouais, c'est pas un reptile en fait, c'est un gobelin. Ouais. Enfin, c'est un reptile quand même. Ah si, ça okay. Ça bon, c'est une scène d'humour, mais je sais pas ce qu'ils ont fumé, les développeurs. Pourquoi ils font se coucher? Je comprends rien, là, bordel. Comment... Et voilà. Ça m'éclate. Dans les princes en fait c'est le nom de la griffe. Hein.
Donc ne pas oublier de lui mettre. Voilà. Donc, par contre, là on a un petit peu. Ouais, voilà. On n'a pas grand chose. Bon, heureusement qu'on avait une armure en rab. Ouais. Alors niveau magie, il est à chier. En fait, c'est surtout un guerrier qu'on va dire. Enfin. On va dire il est tout dans l'agilité quoi. Vous allez voir. Voilà. Dextérité 9. Ah non, même pas. Vitesse. Bon, en fait, c'est surtout dans la force quoi. Ouais, c'est un guerrier quoi. Et donc, on va continuer la traversée de cette forêt. On est bientôt au bout d'ailleurs. Voilà. Et vous voyez qu'il fait ultra mal. On sait qu'un petit gobelin, mais il poutre quoi. Et nous voilà à la sortie de la forêt. Donc on va aller à la grotte d'Orne. Ah mais en fait je viens de comprendre. J'ai confondu la grotte d'Orne. Bah c'est bien la grotte d'Orne ça? Ouais. J'avais confondu avec la grotte où il y avait les enfants là. C'est pas la grotte d'Orne, alors je sais plus comment elle s'appelait la grotte où il y avait les enfants. Oui, alors eux ils sont assez résistants au coup apparemment. En plus ils s'enfuient, ça m'énerve ça. Bon. Et voilà. Est-ce que vous avez vu la différence de dégâts quoi? C'est un truc de taré. Il fait genre 5 à 6 fois les dégâts de machin, de Garlib. Allez. J'ai arrêté de faire le con, je l'ai bousillé. Qu'est-ce que j'ai pas essayé encore? Piranha, je sais plus si je l'avais déjà essayé. Ah si, je l'ai déjà essayé. Bah du coup je vais peut-être remettre le... Ouais, je vais remettre ça. Parce que mine de rien c'est pratique contre les petits monstres. Voilà, on est obligé de le lire. Sinon on peut pas continuer la quête. Une fois qu'on a vu ça, on n'a plus qu'à ressortir. Non, en fait, là, j'aurais peut-être dû mettre l'épée, quoi. Ouais, c'est difficile de savoir si on met l'épée ou le bouclier ou le TDK, quoi. Parce que faut dire que l'épée, bon, elle fait beaucoup plus de dégâts, en plus avec le bouclier on se défend, mais quand il y a vraiment beaucoup d'ennemis, quoi, c'est pratique le truc. Donc j'hésite. Ouais, surtout qu'il attaque en dernier, ce con. Ouais, en fait, vaut mieux mettre l'épée, quoi. Ouais, je vais remettre l'épée, allez. Voilà. On sort. Et voilà, la nuit tombe. Ce qui veut dire qu'on a bien fait ce qu'il fallait. En fait, il n'y a rien à faire, quoi. À part une petite info sur un temple.
là, c'est... Je sais pas pourquoi, en fait, depuis vu que je filme avec Cam Studio, j'avais mis la qualité à 70, en fait. Et là, depuis que j'ai mis la qualité à 75, ça lag. Putain, j'ai vraiment un ordi... Il est bon à la casse, quoi. Surtout que je vois pas une très grande différence. Je vous dis, je l'ai mis à... 75 ou 70 depuis la 15e vidéo. Donc si vous voyez une différence de qualité entre la 15e et celle d'avant, vous me dites. Si vous en voyez pas, ben, je remets à 70 parce que comme ça ça lagera plus quoi. Enfin bon, il n'y a pas trop de lag, mais ce sera toujours ça quoi. Je trouve la qualité à chier moi en fait. Comparé au jeu quand je le vois et le la qualité sur Daily quoi. La photo c'est mille fois mieux sur sur l'ordi quoi. Non, c'est pas la faute de Daily hein, c'est moi qui filme comme de la merde quoi. Voilà donc attendez je regarde ma vie. Ouais on va aller se soigner parce que vu les points de vie que Risa a je vais la main. Et voilà, on a passé donc un jour avec Risa. Et ben on va se quitter là. Donc je sais pas si je continue Action ou si je continue avec Risa au prochain. Vu que j'ai sauvegardé, je vais peut-être continuer Action. Bon, allez, au prochain je continue Action. Donc salut, à la prochaine. Et achetez des Mr. Freeze. Oui, maintenant je fais une campagne de publicité.